recourant grâce en vue d'une libération conditionnelle à Sa Majesté Albert II, roi de Belge, palais de Laeken, Bruxelles, sire. Par la présente, je le restitue l'honneur de m'adresser à Votre Majesté en vue de l'exposer mon cas et de solliciter sa grâce pour une libération conditionnelle, entre parenthèses, ou remise de peine. Actuellement, j'ai accompli 10 ans de détention depuis le 14 octobre 1993. Âgé de 51 ans, je sens que mon état physique empire de jour en jour et je ne suis pas libéré. Je crains de terminer ma vie dans le cellulaire. Ayant foi et confiance en votre sagesse et magnanimité, recevez ici mes remerciements et mes meilleurs vœux de bonheur et donc vie à vos majestés, dont je suis reste fidèle serviteur. Heureux. Mais qui... je vous connais, je vous ai... me connais. Oui, oui, là, évidemment, on a changé. Vous ne me connaissez pas? Non. Ça, c'est unique, ça. Non, franchement, je sais bien que je vous connais, mais je vois pas de où. Où est-ce qu'il est, ce monsieur? Où est-il? Il est par ici? Vous êtes par ici? Oh, mais il y a longtemps, hein. Il y a 11 ans. Alphonse Prudhomme. Mais oui. Oh. Oh là là. Pas que je suis grossi, hein. Oh là, mais je vous reconnaissais vraiment pas, vraiment hein. Pas, hein. Oh non, hein. Les enfants, tous mariés. Oui, on est grands-parents, hein. Ah oui. Oh là là, oui. 5 petits-enfants. On a 5 petits-enfants, hein. Oui, oui. Moi, je crois que je suis 3-4 fois grand-père. Tu les as vus, non? Tu les as pas encore vus? Non, tu les vois. Le seul que j'ai vu, c'est l'aîné d'Éric, de l'aîné de mes fils. Il y en a eu un deuxième que je n'ai pas vu. Et le plus jeune de mes fils, je n'ai pas vu. Allez, Alphonse. Allez, à votre santé. À ta santé. À ta reprise dans la vie. Hein. Je vois que la cuisine était bonne quand même. Oui, sans oui. Vouloir faire de mauvaises illusions. Oui, 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 mais hein? Faut grâce, hein, faut grâce. Et ta maison, elle avait été vendue tout le reste, j'ai plus rien. J'ai une chemise, un polo et un pantalon. C'est tout ce que t'as j'ai. T'as tourné comme le jour de ta naissance. Comme ma naissance, voilà. Sans l'ange, hein, sans l'ange. Hein. J'ai pris 45 kilos, quoi. Comment est-ce qu'on explique ça? Ouais, c'est pas difficile à expliquer. Vous n'avez plus aucun mouvement, vous n'avez plus rien. Si vous prenez un lapin et que vous le mettez sur une planche, ben, automatiquement, il va grossir. On faisait même ça dans les fermes avant. Moi, personnellement, mon poids ne me tracasse pas. Hein? Moi, je n'ai pas de complexe, quoi. Même si j'en ai eu dans le passé, j'en ai plus maintenant. Bon, j'ai eu de 1 à 20... ma vie d'étudiant, de 20 à 40, ma vie d'homme marié, et de 40 à 50 ans, ma vie de prison. Maintenant, je recommence la quatrième, qui n'est peut-être pas nécessairement la meilleure point de vue finance et point de vue confort, mais en tout cas, point de vue liberté, ce sera la meilleure. Encore mieux vivre tout nu en dessous d'un pont qu'habillé en prison. Hein. Non, Alphonse Prudhomme. Ah. J'avais chargé votre fils de récupérer ma bibliothèque et des films et des histoires de famille. Oui. Et il les avait récupérés. Il les a déposés chez vous? Oui, ils sont chez moi. Ah, ils sont chez vous? Oui. Ah, je n'ai pas besoin de courir en France, alors. Ah non, hein, ils sont ici, hein. Ah, des photos, avec des photos et des films et des tout. Oui, parce que... J'ai mis tout ça dans des potes, hein, moi. Eh bien, c'est bien gentil, parce que je viens de sortir. Enfin, je suis sorti le 13 juillet. Mais libéré, hein. Je suis sorti le 13 juillet? Oui. Ah oui, mais tu as fait 10 ans et presque 11 ans. Mon Dieu, quand tu viens rechercher les affaires, tu préviens, peut-être qu'il y aurait personne. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Parce que ça a mis dans des boîtes, hein, tout ça. Eh bien, ça va.
du temps que je faisais un peu de politique, ça. Les carnets du Parti Socialiste. Il est encore unitaire à l'époque. Ah oui. Et voilà. Le jeune prudent quand il a fait sa communion. Il était sage, un grand homme. Vous m'avez déjà vu à mon mariage? Eh oui. C'est étonnant parce qu'en général, elle ne buvait pas. Mon fils Léni avait 12 ans, là. Et le petit avait 10 ans. Il avait déjà du ventre, hein, à l'époque, quand même. Moi, c'est fini, je me remarierai jamais plus, moi. Qu'est-ce que t'as dit? Non! Et dans mes pensées, tu m'as dit que tu voulais te marier avec... avec non. Moi. Non! Non, 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 moi, ce que je m'intéresserais, ce serait, par exemple, d'avoir une vieille de 75 ans. Ouais. Qui a un petit château, même une grosse maison. Ça n'a... La maison n'a pas d'importance ça, dans l'histoire. Mais t'en trouver, ce serait d'avoir des gros tonneaux de vin de 20 000 litres, là, ou 2 000 litres, 5 000 litres, 62, 63, 64... 56 et que je serai là-dedans et, 80... et pouvoir t'éveiller le matin 80 avec du ans, vin. Ça te dit rien. Je le... Si, si elle a du vin, oui. Ah non, elle pourrait me promener avec une laisse. Non, non, je ferai le chien. Il paraît qu'elle a des sous. Je ferai le chien. Ah. J'aboirai. Je l'autorise à me promener en rue. Je marcherai à quatre pattes. J'aboirai. De temps en temps, je ferai même ma patte au lampadaire. Si. Oui, mais il faut. Tant mieux qu'elle soit âgée. Bon, c'est ça. Quand j'entends, on est bien content de les avoir. Hein? Non, non, moi, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Ah non, la semaine passée, tu disais autre chose. J'avais certainement bu, non? Oui, ben ça, le calvados. Le calvados, hein? Le calvados. Et les enfants, ici? Ah, mais ça va, très bien. C'est du garçon? Non, une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Le gamin a 8 ans et Yolia a 8 ans. Ah. Bonne soirée, hein. Au revoir, hein, merci, hein. Mais je n'en prends des nouvelles. Tu as retrouvé ton fils? Oui, j'ai retrouvé mon fils, oui, pareil que... Il est vivant, quoi. Et je suis content de savoir qu'il est en vie, quoi. Ça, ça se limite à ça, quoi. Tout ce qui me tracassait, c'est qu'on m'avait dit qu'il était disparu depuis des années. Et j'entends que c'est depuis 3 ans et on sait où il est, donc... Il n'y a pas de problème. Il savait où je me trouvais aussi avant. Il n'est jamais venu, alors... La démarche, c'est le fils qui vient vers le père, ce n'est pas le père qui va vers le fils. Bon, je sais qu'il est vivant, mais tant mieux. Et ça se limite à ça, quoi. Enfin, il y a 15, 16, 17 ans d'ici, bon, moi j'étais, j'avais une maison, une épouse, deux gosses. J'ai même eu un moment 3 véhicules. On partait en vacances chaque année. J'allais au restaurant, je ne savais même pas cuisiner. Bon, voilà, et disons que la dernière dispute que j'ai eue à ma femme, avec ma femme, elle m'a dit je te mettrai sur la paille. Bon, c'est là-dessus qu'il y a eu le problème et je constate que 12 ans après, quoi, à titre posthume, ben, je suis sur la paille, quoi. Ni plus ni moins. Lorsque j'étais incarcéré par moment, bon, je me rendais responsable à 98% de ce qui est arrivé et par moment, je disais que c'était ma femme qui en était responsable à 98%. Bah, je crois que tout compte fait, c'est 50-50, quoi. Bon, c'est con, c'est bête d'en arriver là. Parce que, disons, à l'âge que j'ai, 52 ans, presque, ma vie, c'est une vie de grand-père, quoi. Pour aller à la foire avec mes petits-enfants, c'est une vie que je ne vivrai jamais, quoi. Qui sait?
Bon, je ne crois pas. Enfin, l'important, c'est d'être libre. Madame, quoi? Non, c'est un petit. Madame, bien. Ça va? Ça va? Oh oui, ça va. Ça va? Ça va? Ouais. Grand bon anniversaire, hein? Merci, mon pote. Appelez-le déjà. Ton père est dans le fond. Oh, merci. Il y a le barbecue, ça se mange avec les mains, hein? Ouais, hein? Oui, bah, normalement. Eh ben. Et pourquoi tu manges pas avec tes mains, toi, alors? J'ai mangé l'autre avec mes mains. Hein, là? Avec tes mains. J'ai au barbecue, ça mange avec les mains. Tiens, ma chérie, va, ça va. Très classique. Tu t'es marié. Et ta femme est morte. Oui. Tu vas rencontrer quelqu'un. Mmh. Mais je vais vivre vieux ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Écoute, tu as travaillé beaucoup de tes mains. Ah oui, ça. Et tes mains sont usées. Ah, ça je sais, ça. Mais je vais encore vivre vieux. Oui. Ah, mais ça va. Mais il faudra te modérer dans la boisson. Surtout dans le vin. Ah, dans le vin, ça va. Donc il vaut mieux boire du pellel, quoi. Ouais.